Vous êtes sur votre chaîne YouTube DMTV. Bonjour ou bonsoir. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver et de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose de retourner au Cameroun où se joue le championnat d'Afrique des Nations CHAN 2020 qui se joue en 2021 à cause de cette pandémie à Covid-19. Et vous le savez, hier se jouaient en tout cas les demi-finales de ce championnat d'Afrique des Nations. D'abord, une première demi-finale qui a opposé le Mali à la Guinée, derby en tout cas 100% ouest-africain, et qui a tourné en faveur du Mali, qui a battu la Guinée sur tir au but, sur penalty. Et en deuxième confrontation, nous avions le pays organisateur, le Cameroun, qui était opposé au champion en titre, le Maroc. Les Camerounais qui espéraient en tout cas se hisser jusqu'en finale, et les Camerounais qui rêvaient d'un trophée qu'ils allaient avoir pour la première fois, qu'ils allaient garder au pays de Samuel Eto'o fils, au pays de Roger Milla, au pays de Marc-Vivien Foé. Mais malheureusement, le rêve des Camerounais a viré au cauchemar. La débâcle camerounaise face au Maroc était certainement prévisible pour les experts dans cette discipline, les experts en football, ceux qui ont eu en tout cas à analyser le comportement de l'équipe camerounaise. Le Cameroun qui s'est qualifié pour les demi-finales face à une République démocratique du Congo favorite à cette compétition, mais qui, on se rappelle, qui s'était plaint en tout cas du mauvais comportement des officiels camerounais qui leur avaient réservé en tout cas un comportement indigne, en tout cas surtout de cette discipline qui exige du fair play. Et les Congolais qui ont été éliminés tout de même sur le terrain à cause de deux erreurs de leur défense. La première erreur qui était la plus flagrante était celle de leur gardien de but, Matampi Vumbile. Ceci a peut-être un peu floué les Camerounais qui ont rêvé à une équipe qui était techniquement bonne alors que c'était une équipe moyenne. Et le Cameroun qui a joué face à une équipe expérimentée des Marocains, et le football marocain actuellement, nous savons que c'est un football qui est au top, qui trône en tout cas aussi sur le toit africain, si nous enlevons en tout cas les Égyptiens, parce qu'en Champions League africaine par exemple, nous avons Al Ahly d'Égypte qui est champion en titre, mais du côté en tout cas de la Coupe de la CAF, c'est un club marocain qui est champion en titre. Il s'agit bien de Renaissance de Berkane. Alors la débâcle camerounaise face au Maroc était prévisible. Et pourquoi nous pensons que cette débâcle était prévisible? Nous allons d'abord remonter depuis le début de cette compétition, le 16 janvier 2021, où le Cameroun ouvrait en tout cas la compétition en affrontant le Zimbabwe, un match qui s'apparentait en tout cas à un match facile pour le pays organisateur, mais qui s'est avéré un match plutôt compliqué, où le Cameroun a gagné par 1-0, un but plutôt litigieux, inscrit alors qu'il y avait une faute de main d'un joueur camerounais dans la surface des Zimbabwéens, une faute qui n'avait pas été vue par l'arbitre de la République démocratique du Congo, Jean-Jacques Ndala, qui a justement officié aussi le match de demi-finale hier entre le Cameroun et le Maroc. Et les Camerounais ont pu remporter ce match avec un but inscrit par son défenseur central Banga, et capitaine bien sûr des Lions indomptables. Ensuite, les Lions seront opposés au Mali, une très bonne équipe du Mali. Les Lions ont ouvert la marque toujours par son défenseur axial et capitaine Banga, mais les Mali ne vont pas tarder pour revenir au score, et ce match va le score restera en tout cas inchangé, un but partout. Et pour le troisième match qui était un match de qualification, les Camerounais ont fait face à une très très bonne équipe du Burkina Faso qui a manqué en tout cas de peu de gagner ce match et de se qualifier. J'ai trouvé cette équipe du Burkina Faso légèrement supérieure aux Camerounais, et le match s'était soldé par un nul de 0-0 partout. Ensuite viendra les quarts de finale contre la République démocratique du Congo, mais un match émaillé en tout cas de beaucoup d'incidents. Les Congolais qui ont été testés positifs depuis le début de ce tournoi, et qui commençaient en tout cas à se plaindre de cette situation, à soupçonner des volontés en tout cas de les affaiblir afin d'éviter que ces derniers ne puissent remporter encore une fois ce championnat d'Afrique des Nations, et donc démontrer sa suprématie
aussi sur l'Afrique, hein, en tout cas du moins en ce qui concerne les joueurs locaux. Et les la veille de ce match contre le Cameroun, pour les derniers résultats, ça a confirmé 13 joueurs de la République démocratique du Congo positifs, y compris certains membres du staff technique, dont l'entraîneur principal Jean-Florent Ibenge. S'en est suivi en tout cas une protestation des Congolais, et ensuite la CAF va autoriser qu'il y ait une contre-expertise, un deuxième test qui s'avérera en tout cas cette fois-ci totalement différent des tests faits par dans le laboratoire d'État camerounais. Et là, il n'y aura que 2 joueurs testés positifs, mais le mal aura déjà été fait, puisque que les Congolais auront eu à perdre en tout cas plus de leur temps de récupération. Au lieu de dormir, ils étaient restés la nuit en attendant que les tests soient faits, et probablement aussi stressés en attendant les résultats qui vont arriver en tout cas très très tard la veille, le jour du match même. Et donc ça a mis en difficulté les Congolais, et tout ça a été fait visiblement à dessein pour diminuer toute une équipe, un adversaire, hein, psychologiquement et même physiquement, l'affaiblir, l'amoindrir, afin de favoriser l'autre équipe. On a eu l'impression que le Cameroun, étant donné qu'il venait d'éliminer l'un des favoris, la République démocratique du Congo, pouvait maintenant s'ouvrir un boulevard pour aller prendre le trophée, ce qui n'arrivera pas. Et il y a d'autres raisons qui expliquent cela, et c'est trop souvent aussi ce que nous décrions en Afrique subsaharienne, où vous avez des gens qu'on appelle des préparateurs psychologiques pour certains, pour d'autres des préparateurs spirituels, qui viennent en fait avec des croyances fétichistes et qui empêchent en tout cas aux jeunes de pouvoir jouer au sport qu'ils connaissent, à la discipline qu'ils ont toujours aimé depuis leur tendre enfance, mais qui leur font croire qu'avec tel ou tel ils peuvent aussi remporter des matchs. Et c'est ce qui est arrivé visiblement aux Camerounais, qui avaient tellement peur de cette équipe marocaine que les Camerounais sont tombés dans ce piège là et ont cru en ces histoires des fétiche. Je vais vous lire ce qui s'est écrit dans les réseaux sociaux par des Camerounais, et je vais vraiment lire cela tel que j'ai eu à le voir, cette publication, et qui certainement nous parle de ces pratiques fétichistes au niveau du Cameroun, et qui a eu un impact négatif malheureusement pour ce match des demi-finales contre le Maroc, où les Camerounais ont été giflés. Ils ont eu la raclée de leur vie. 4-0, des Camerounais incapables d'inscrire le moindre but. Ils ont été humiliés à domicile. Et dire que la veille de ce match, les joueurs camerounais n'ont pas beaucoup dormi parce qu'ils devaient faire des rites fétichistes pour venir à bout de cette équipe marocaine qui a au contraire eu son temps de repos et qui était concentrée sur ce match des demi-finales. Et les Camerounais, eux, se sont distraits par un marabout qui leur a trompé. Et finalement, le résultat, c'était sur le terrain, 4-0. Alors, je vous lis ce qui a été publié en tout cas en rapport avec cela. Le management par la sorcellerie. Et Njeng, tu voulais taper sur le coach. Po, ce genre de choses n'arrive que dans 2 ou 3 cas. Lorsque tu sais que tu ne lui dois rien, ni ta sélection, ni ta titularisation, ou que ta place n'était pas dans cette équipe. On se comprend, faut nous expliquer. Mais je voudrais dire quelque chose d'entrée. Il n'existe aucune prison au monde où on enferme les sportifs qui ne réalisent pas de performance. Parce que ça arrive. Il n'y a donc pas à faire comme si on aller au cimetière, le vrai, pas à celui de Jimmy. On n'organise pas une compétition pour la gagner absolument. Voilà, c'était peut-être ça le problème des Camerounais. Et de poursuivre, ou parce qu'on organise, perdre par 4-0 et l'apocalypse. Oui, ce n'est pas la fin du monde, tout à fait d'accord avec vous. Non, le Brésil a bien perdu 7-1 devant son public dans sa Coupe du Monde, et aucun joueur n'est allé en prison. On peut donc perdre lourdement en ayant le niveau. On ne perd pas lourdement forcément parce qu'on n'a pas le niveau. La glorieuse équipe de 90 avait bien perdu 4-0 devant l'URSS. Même l'argument de ne pas avoir un championnat fonctionnel doit être relativisé. Le Mali est bien en finale avec une situation quasi similaire. Le management est la seule chose qui peut transformer même les plus faibles. Et c'est ce qui a manqué à cette équipe dès le
début. Lorsque le ministre est allé chercher Clément Arroga, qui devait monter une équipe de joueurs locaux en n'ayant aucune connaissance du championnat local, lorsque le même ministre a débarqué, le même Arroga, à 2 mois de la compétition, lorsque le même ministre a surchargé le même encadrement technique avec des superviseurs sortis de Mars pour contrôler le travail des coachs, un attelage inédit que ceux qui critiquent subitement trouvaient pourtant ingénieux. Le même management tatillon ou mystérieux a continué aux entrailles de cette compétition. Personne ne comprendra, par exemple, le phénomène Futuro piloté et avalisé par le ministre et ses équipes, en attendant de nous dire qui sont les vrais propriétaires de cette équipe et le détournement d'argent déguisé qui consistait à payer les renforts. Faudrait quand même qu'on nous explique comment on peut aller chercher Zoua, Njeng, Fede, quand un seul joueur, Samuel Land, meilleur attaquant du championnat toutes ces saisons, a été sorti de cette équipe. Le management qu'on arrive à faire croire aux jeunes qu'on peut gagner par la magie uniquement, que les autorités valident une telle imposture, que les joueurs eux-mêmes finissent par y croire fermement, et simplement démentiel. Qu'on traîne les joueurs dans de lugubres endroits nocturnes pour la victoire, que les maillots dorment dans des endroits que seuls les petits esprits fréquentent, est une imposture impardonnable. Comment est-on arrivé là? Que les marabouts fassent des classements ou que les retraités de certaines télévisions se soient reconvertis en marabouts, il y a des choses qui dépassent l'entendement. Simplement, je voudrais qu'on me dise enfin si le ministre a donné l'autorisation pour qu'on accepte que nous avons perdu, qu'on instaure un tel esprit, que les gens sérieux le valident juste parce qu'ils ont des problèmes d'humeur avec certains. Je veux qu'on m'explique enfin comment on peut dire à un commissaire de police que tel ancien joueur ne doit plus entrer pour parler aux joueurs. Comment on peut dire à des enfants qui rêvent de faire des carrières de certains qu'il faut qu'ils refusent de rester si certains anciens joueurs arrivent? Comment on peut imposer des séances de prière jusqu'à des heures indues aux joueurs? Comment les anciens joueurs qui se plaignaient des longs discours peuvent imposer à des joueurs amateurs de suivre absolument leur coaching jusqu'à des heures impossibles? C'est le management de cette équipe qui a perdu et non le football, parce qu'il y a une autre lourde défaite qui attend le Cameroun, celle de la CAF. Des failles de sécurité qui facilitent l'envahissement du terrain de jeu, des quantités de billets imprimés sans autorisation, des voitures et des avions utilisés à d'autres fins alors que leur disponibilité est inscrite dans le cahier des charges. Et ce match même, les marabouts ne peuvent pas vous aider. Je vous avais dit pour les billets que le Coran a merdé, vous ne savez même pas à quel point. Voilà ce que nous avons eu en tout cas à lire sur les réseaux sociaux notamment. C'est un Camerounais qui s'exprime et qui parle. Et malheureusement c'est la maladie ici en Afrique subsaharienne, sur la croyance au fétiche, donc la croyance au marabout. On pense que ce n'est pas par le travail qu'on peut arriver loin, qu'on peut atteindre les résultats, mais c'est plutôt par les bouts, par des fétiches, qu'on peut arriver à atteindre les résultats. Je pense que les Camerounais en ont eu en tout cas pour leur compte. Ils ont été punis pour cela, parce que justement, au lieu de privilégier la compétence, on a eu à recruter certains joueurs et les aligner sous recommandation des marabouts. Vous vous rendez compte, je parle bien de Njeng, par exemple, celui-même qui a inscrit un bugag contre la République démocratique du Congo, où le gardien avait la possibilité de récupérer le ballon sans problème, et il se loupe lui-même, et Njeng profite de ce ballon et marque un but sans avoir montré des choses. Il est apparu comme un opportuniste qui s'est trouvé au bon moment et au bon endroit, inscrit ce but, mais comme la préparation en tout cas s'impose toujours à chaque joueur, parce qu'un joueur qui ne se prépare pas ne va pas rester en forme, et quand on n'est pas en forme, en tout cas on ne saura pas tenir un match décisif. Et Njeng, on l'a vu lors de cette demi-finale, il a été l'ombre de lui-même, et lorsqu'on l'a sorti, il a pratiquement, il s'en est pris pratiquement à l'entraîneur, qu'il a voulu en tout cas porter sa main sur l'entraîneur camerounais, et c'est triste. Donc on ne peut pas croire en ces histoires, et surtout
qu'un marabout qui n'est pas expert, qui n'est pas technicien, puisse imposer un classement, imposer des joueurs à titulariser lors d'un match, c'est scandaleux et c'est vraiment malheureux. Je pense que ce qui a précipité la chute du Cameroun dans son championnat d'Afrique des Nations, c'est aussi ce management défaillant qui a été en tout cas dénoncé par ce Camerounais. Mais il y a aussi un autre fait que nous avons eu aussi à remarquer, c'est que on a trouvé en tout cas incompréhensible la désignation d'un arbitre congolais de la République démocratique du Congo pour diriger justement cette rencontre, sachant que l'arbitre en question était certainement blessé de ce que les Camerounais avaient fait subir aux Léopards de la République démocratique du Congo et qui est chargé finalement de désigner des arbitres. Cet arbitre n'a même pas eu à favoriser le Maroc, tant les Camerounais eux-mêmes avaient des lacunes indescriptibles durant ce match et au cours de cette compétition. La pauvreté offensive camerounaise était tellement évidente, je l'ai dit, les Camerounais arrivaient à peine à marquer des buts dans la phase des groupes. Ils n'ont eu inscrit que deux buts et c'est un seul joueur qui a inscrit ses deux buts, c'est bien le défenseur central Banga qui a marqué d'abord contre le Zimbabwe, un but litigé du reste, et ensuite contre le Mali, et puis il est resté muet contre le Burkina Faso et personne d'autre n'a marqué contre pour le Cameroun. Et lors du match des quarts de finale, grâce à l'aide en tout cas du gardien des buts congolais, il a eu ses deux buts qui ont été inscrits, mais qui a un peu floué les Camerounais qui ont pensé qu'effectivement leur équipe avait peut-être grandi durant cette compétition et qu'elle devenait de plus en plus forte. Non, les Camerounais ont réussi à inscrire deux buts pour la première fois de cette compétition en un seul match. Et on a cru que finalement le rouleau compresseur camerounais était débloqué. Mais non, contre le Maroc, le Cameroun est resté une fois de plus muet. Et finalement, pour toute cette compétition, le Cameroun n'aura marqué que 4 buts et seulement 4 petits buts. Et ce qui est dommage et triste. Et il faut confirmer qu'effectivement cette pauvreté offensive du Cameroun est claire parce que cette équipe a eu à marquer difficilement, surtout face à une équipe qui est très très bien organisée. Il faut noter aussi quand même, parmi ces joueurs camerounais, on peut retenir que ceux qui ont quand même un certain niveau, on peut citer le capitaine Banga, auteur de 2 buts, je l'ai dit, contre le Zimbabwe, également contre le Mali, et il y a aussi son compère des Frales, Etamé, et le virevoltant Ako Asomo du côté gauche, qui a montré de belles choses, mais qui était un tout petit peu limité en cette demi-finale face à la tactique des joueurs marocains qui ne lui ont pas laissé vraiment beaucoup d'espace pour s'exprimer. Alors, pour le prochain match, les Camerounais vont tenter de sauver leur honneur en remportant en tout cas la petite finale et monter sur le podium en ayant cette médaille de bronze. Mais je pense que pour ce qui concerne le prochain match des Lions indomptables face à la Guinée, la logique voudrait que la Guinée remporte cette partie avec la manière, même si on doit le reconnaître, en football, le meilleur ne gagne toujours pas. En effet, je ne vois pas cette équipe du Cameroun venir à bout de cette Guinée, une très belle équipe de la Guinée qui n'a été sortie de cette compétition qu'à la faveur des tirs au but, au bénéfice en tout cas à des Maliens, et des Maliens qui en face des groupes en tout cas auraient pu battre les Camerounais aussi, même si ce match était soldé par un but partout. Donc voilà un peu ce que nous pouvons en retenir sur ce qui s'est passé hier, la débâcle des Camerounais qui nous semble avoir été vraiment logique, très très logique. Alors il faut noter également, je l'ai dit, l'arbitre congolais, je trouve incompréhensible qu'on l'ait désigné en tout cas pour officier ce match, sachant qu'en quart de finale, les Camerounais avaient éliminé les Congolais de la République démocratique du Congo, sachant aussi toutes les plaintes formulées par les Congolais. Je signale d'ailleurs la Fédération Congolaise de Football Association a porté plainte contre le Cameroun au niveau de la CAF en réservant copie à la FIFA à cause de ce traitement, en tout cas, qui a été réservé à notre délégation. Vous imaginez des joueurs et les membres de staff technique testés positifs qui ne le sont pas et qui prennent des médicaments. En ce moment-là, on est en train d'empoisonner carrément nos compatriotes, et la Fédération Congolaise de Football Association a porté plainte au niveau de
de la CAF et comment on peut désigner un arbitre congolais pour officier ce match, même si ce dernier n'a pas eu besoin en tout cas de favoriser le Maroc, tellement le match était beaucoup plus facile pour les Marocains eux-mêmes, et qui sont venus à bout en tout cas de ces Camerounais qui étaient très décevants et qui n'ont rien montré au cours de cette rencontre, au cours de ce match. Mais il faut aussi noter que c'est le même arbitre qui avait arbitré le premier match du Cameroun, le match d'ouverture d'ailleurs, et qui a accordé un but au Cameroun alors qu'il ne l'aurait pas dû le leur accorder, étant donné qu'il y avait eu une faute de main d'un joueur camerounais, une faute flagrante dans la surface zimbabwéenne, mais qu'il n'avait pas vu ni ses assistants, et ce qui a favorisé en tout cas la continuité de l'action et ce but inscrit par Banga, le capitaine des Lions Indomptables du Cameroun. Et les Marocains qui ont certainement remarqué le bon comportement de l'arbitre congolais, qui n'ont pas en tout cas hésité de faire un clin d'œil aux supporters congolais, aux nombreux supporters des Léopards, certainement qui ont été au courant en tout cas de toutes les plaintes formulées par les Congolais lors de leur séjour au niveau du Cameroun. La page page en tout cas des Lions de l'Atlas du Maroc, page Facebook, a publié ainsi un petit message pour les Congolais. Ça a chambre et ça chicote gentiment. Petit clin d'œil à nos amis de la République démocratique du Congo qui étaient à 100% derrière les Lions de l'Atlas. La chicote a eu lieu, lol. Merci à l'arbitre congolais qui a été plus que correct. Bravo à lui, vous pouvez être fiers de lui. Et oui, nous sommes fiers de ce compatriote congolais. Il s'appelle Jean-Jacques Ndala. Vous savez que dans des compétitions africaines et même dans des compétitions de la FIFA, généralement en tout cas les arbitres congolais ne se retrouvent pas sur la liste de ceux qui peuvent être soit présélectionnés ou au final sélectionnés pour officier en tout cas des matchs soit en Afrique soit à l'international. Et donc l'arbitre Jean-Jacques Ndala est parmi ceux qui font en tout cas exception et qui font la fierté de notre pays. Nous en sommes fiers, je l'ai dit. Alors qu'on pensait qu'il aurait pu favoriser l'équipe du Maroc, il n'en a pas eu besoin, d'autant que les Marocains étaient très largement supérieurs et les Camerounais eux-mêmes en tout cas ont favorisé les Marocains par leur maladresse, par leurs erreurs, offrant ainsi des buts au Lion de l'Atlas. Il y avait deux lions, mais un lion devait prendre le dessus, et ce n'est pas le lion qui se dit indomptable, qui a été dompté, et c'est le lion de l'Atlas. Merci donc à nos amis marocains qui ont bien reconnu le soutien des Congolais, le soutien qui s'explique au fait que les Camerounais n'avaient pas réservé, contrairement à ce qu'on peut penser. On a toujours eu des très très bonnes relations avec ce pays, avec le Cameroun depuis bien longtemps. Samuel Eto'o est venu ici, aussi bien en officiel ou en privé, et nous aimons beaucoup le Cameroun, mais ce qui s'est passé pour ce CHAN 2020, nous ne pouvons accepter, nous pouvons cautionner. C'est vrai que beaucoup de Congolais n'étaient pas en tout cas derrière le Cameroun, ont plutôt soutenu le Maroc, et même si les Congolais n'avaient pas soutenu le Maroc, je pense que les Marocains auraient tout de même remporté ce match, je l'ai dit. La débâcle des Camerounais s'explique, c'était prévisible, d'autant que le niveau du championnat camerounais a baissé depuis un bon moment. Tenez, nous avons deux compétitions en Afrique, la Champions League africaine dont le tirage au sort avait été fait. On connaît déjà les différents groupes qui vont compétir pour essayer de remporter ce trophée et donc de remplacer Al Ahly qui est tenant du titre. Aucun club camerounais, alors qu'en RDC par exemple nous avons deux clubs, le tout puissant Mazembe et l'AS Vita Club. Et du côté de la CAF, un seul club camerounais, c'est le Coton Sport qui va du reste jouer le match de barrage avec les équipes qui viennent de la Champions League, et Coton Sport va jouer contre une équipe nigérienne. On espère que Coton Sport pourra se qualifier et aller en phase des poules pour essayer un peu de prouver que le Cameroun peut toujours sortir la tête de l'eau, surtout en compétition interclub. Depuis quelques années, le Cameroun est un peu au-dessus du lot. Et pour la République démocratique du Congo, par exemple, on a un club qui sera
confronté en tout cas un club libyen, Al Ahly Benghazi. Il s'agit bien du Darin Club Motema Pembe. Donc trois clubs en compétition interclub pour la RDC, un seul pour le Cameroun. Hein. Vous voyez que la différence est claire. Donc le Cameroun, il y a quand même une baisse. Hein. C'est vrai que du côté marocain, on peut compter sur deux clubs, hein. Wydad Casablanca et Raja, je pense, qui a été récalé de la Champions League et qui se retrouve dans ses matchs de barrage, hein, contre ceux de la Coupe de la CAF. Donc le Cameroun, il y a quand même à faire. Hein. Je pense qu'il y a des choses à corriger dans l'organisation, en tout cas, de leur championnat, hein, qui semble marquer les pas. Et c'est ce qui explique peut-être aussi la contre-performance des Camerounais, même si ils avaient eu l'impression que tout allait bien avec cette victoire, hein, sur fond, en tout cas, de polémique contre la République démocratique du Congo. Donc voilà ce dont nous avons voulu échanger avec vous, hein, sur l'élimination justifiée peut-être, hein, des Camerounais dans leur propre championnat d'Afrique des Nations. Le Cameroun ne va pas rejoindre la RDC pour être le deuxième pays de l'Afrique subsaharienne à remporter cette compétition et le deuxième à remporter cela chez lui à la maison après le Maroc. Hein. Malheureusement, peut-être qu'une autre fois le Cameroun pourra gagner cette compétition. Ce ne sera pas pour cette fois-ci. Vous avez aussi suivi tout ce qui se raconte en tout cas autour du Cameroun, hein, avec des pratiques fétichistes la veille du match, hein, empêchant ainsi le joueur de récupérer. Et vous le savez, on a toujours dit, hein, que ça ne sert à rien d'avoir la dette du sommeil, hein, parce que quand on s'endette, hein, on finit toujours par payer. Les joueurs camerounais ont payé sur le terrain, ils n'étaient pas en forme, ils n'ont dormi que plus ou moins 5 heures du temps. C'est peu pour des sportifs qui ont un match à disputer. Donc voilà ce que nous pouvons dire, hein, sur cela. Mais courage quand même aux Camerounais. Je pense que cette compétition vous aura donné en tout cas des leçons et des enseignements à tirer pour améliorer en tout cas votre football et surtout arrêter avec ces pratiques fétichistes qui n'a jamais donné une Coupe du Monde au Cameroun. Hein. Donc arrêtons avec ça en Afrique, hein, en général. Hein. Il ne s'agit pas seulement d'une situation particulière au Cameroun. C'est une situation que l'on retrouve ici aussi en République démocratique du Congo où vous avez un féticheur d'État qui empêche ainsi aux sélectionneurs et aux staff techniques de faire leur travail comme il se doit. Il peut imposer un joueur au cours d'un match, imposer un classement et c'est très très malheureux. Merci à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez aimé, laissez-nous un like. Et si vous avez un point de vue, une opinion à partager avec nous, laissez-nous un commentaire. Mais surtout, abonnez-vous s'il vous plaît à cette chaîne DMTV et n'oubliez pas d'activer la notification. Juste un clic sur cette petite cloche, hein, qui va apparaître une fois que vous serez abonné. Elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous offrir. Merci encore une fois à vous. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. DMTV vous dit au revoir.